comme ça fonctionne. C'est un peu léger. 1, 2, 3, 4. Surtout que j'ai la voix un peu. Pardon? D'accord, j'essaierai, ça marche.
Non. Oui, non. C'est bon? Ah oui, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas grand monde. C'est un petit peu triste parce que... Voilà. Mais merci à ceux qui sont là quand même. C'est sympa. Si vous avez un laptop, ça serait sympa de le clipser parce qu'on écoute. Et en plus, c'est interactif. Voilà, donc c'est joyeux, c'est dynamique. Donc voilà, il faut écouter. Donc ce soir, c'est du coup une conférence du CRIPS. Donc avec Monsieur Benoît Félix du CRIPS, qui va se présenter juste après. Donc conférence de prévention au sens large, de sensibilisation sur le sida et même sur les maladies sexuellement transmissibles en général. Donc j'espère que vous avez toutes et tous vu la semaine SIDAction sur toutes les écoles du groupe. Cette soirée donc clôture la semaine. Là, il y a la conférence et juste après, il y a la soirée du BDE à l'Under. Donc pour les personnes qui assistent à cette conférence, l'entrée à la soirée est gratuite au lieu de... 2 euros. D'accord. Voilà. Donc, merci d'être là et je laisse du coup Benoît se présenter. Bonsoir. Donc, mon prénom c'est Benoît. Mon nom de famille c'est Félix. Mon métier c'est infirmier. Alors, le week-end je soigne des malades du cancer et des malades du sida chez eux, souvent des gens très malades. Donc, en HAD, je travaille le week-end comme infirmier à domicile. Et en semaine, je travaille comme infirmier en santé publique. Je suis spécialisé sur la prévention des risques sexuels auprès des publics vulnérables. Je suis infirmier en santé publique, spécialisé sur la prévention des risques sexuels auprès des publics vulnérables. Et paradoxalement, le public étudiant est un public vulnérable. D'autant plus qu'il ne se croit pas vulnérable. Et que quand les gens ne se sentent pas vulnérables, c'est souvent eux qui sont le plus vulnérables. Parce qu'ils ne se protègent pas. Donc je travaille pour un organisme qui s'appelle le CRIPS, Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida. Petit rappel, la région Île-de-France est la région en Europe où on trouve le plus de personnes séropositives et atteintes du Sida. Donc vous vivez actuellement dans la région d'Europe qui rassemble le plus grand nombre de personnes séropositives ou atteintes du sida, Paris étant aussi la ville, bien sûr, en Europe qui rassemble le plus grand nombre de séropositifs et de malades du sida. C'est bon de le savoir et, parce que tout le monde n'en a pas conscience. Ça veut dire que chaque personne qui habite à Paris ou en banlieue connaît forcément des personnes séropositives, soit dans sa famille, soit dans ses proches, c'est mathématique. Un métro, quand il est plein, il y a entre 8 et 10 séropositifs dans un métro, c'est statistique, quoi. Donc le VIH-SIDA, ce n'est pas seulement la télévision, c'est beaucoup plus proche que ce que les gens ne pensent, simplement, comme ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, il y a un certain nombre, ça se compte par dizaines hein, d'étudiants à EPITA, EPITECH qui sont séropositifs, ils ne le disent pas, ça ne se sait pas, et ils n'ont pas à le dire. Mais tu ne peux pas dire, moi je n'en connais pas, je n'en ai jamais croisé, ce n'est pas vrai, simplement tu ne le sais pas. Bon, c'est bon de le savoir, quoi. Donc je vous dis quand même quelques vérités, parce que c'est vrai que c'est des choses dont les gens n'ont pas forcément conscience. Alors, donc, moi, ma spécialité, c'est les publics vulnérables. Alors, j'interviens auprès de publics migrants, comme vous en croisez dans la rue, pour des problèmes de risque sexuel, avec les problèmes de langue et de religion et de culture. J'interviens auprès de publics handicapés moteurs. J'ai été aidant sexuel, donc des gens qui ne peuvent pas faire l'amour parce qu'ils sont bloqués, tétraplégiques, hémiplégiques et autres. D'handicapés mentaux pour les aider à vivre leur sexualité. Les publics vulnérables, ça peut être les publics gays, homo, bisexuels. J'interviens aussi auprès de publics délinquants. Vous avez peut-être vu quelques images des prisons tout à l'heure. J'interviens dans des prisons pour mineurs, des jeunes qui sont incarcérés à partir de 13 ans, pour certains pour des délits sexuels, mais pas que. Donc tous ces publics, j'ai l'occasion de les rencontrer pour voir un peu qu'est-ce qu'ils savent ou pas des risques sexuels, sachant que le principal risque sexuel, c'est pas d'attraper une infection sexuellement transmissible. Le principal risque sexuel, ça se passe dans la tête, c'est que ça se soit mal passé. C'est que la personne soit frustrée parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas été à la hauteur, qu'elle n'a pas su donner du plaisir aux femmes, par exemple, qu'elle a éjaculé trop tôt. Quoi, je veux dire, il y a énormément de gens, et en particulier des étudiants, qui n'assurent pas trop au lit, malheureusement. Et c'est dommage, parce que ça compte. On sait qu'en France, il y a des gros problèmes de sexualité. Comme on le voit, il y a plus de cas de sida qu'ailleurs, c'est révélateur. À Paris, vous avez un couple sur deux qui divorce dans les 7 ans après le mariage. Et c'est statistique, hein, à Paris. Ceux qui se marient pensent que c'est pour la vie. Et bien, une fois sur deux, dans les 7 années qui suivent le mariage, il y a un divorce. Et les principales causes de divorce, c'est les problèmes de vie affective et sexuelle le plus souvent. Quand ça ne va pas dans la vie affective et sexuelle, souvent, eh ben, on ne se supporte plus, on s'engueule et on se sépare. Ça aurait souvent pu être évité si les hommes et les femmes se connaissaient mieux et si on parlait plus facilement de ses pulsions, de ses désirs, de ses fantasmes. Mais à l'époque du porno, c'est pas évident. Donc, les problèmes de sexualité en Ile-de-France et en France sont énormes. On le voit donc à travers le nombre de cas de sida et d'IST, le nombre de divorces. Il y a plein de choses qui montrent qu'on est prétentieux, mais on n'est pas très doué dans ce domaine et l'information ne circule pas comme elle devrait circuler. Les gens sont moins bien informés que ce qu'ils pourraient penser. Moi, je pourrais vous
poser des questions d'un enfant de 10 ans auxquelles vous ne sauriez pas répondre, par exemple. Du genre, pourquoi le sperme est blanc, pourquoi mon pénis il est tordu quand je bande, pourquoi j'ai un testicule plus haut que l'autre, tout ça, les enfants nous posent cette question-là et souvent leurs parents ou leurs grands frères, leurs grandes sœurs n'ont pas les réponses. Et sur Internet, il y a beaucoup de bêtises. Bon, les conséquences d'une mauvaise éducation à la sexualité, c'est entre autres, bien sûr, les infections sexuellement transmissibles. Alors si on doit faire un petit rappel assez bref sur le passé, par rapport au sida, mais je ne vais pas trop m'étendre non plus par rapport à ça. Je vais prendre une paire de lunettes. On va aller sur le site du SIDAction parce que donc, c'est la période du 1er décembre et il y a une association qui s'appelle SIDAction qui fait du recueil de fonds régulièrement pour aider à la fois les malades, la recherche, les malades en Afrique plus qu'ici parce qu'ici encore il y a une prise en charge qui n'existe pas en Afrique. Hein. Donc là, si je vais sur le site du SIDAction, petite historique rapide. On a vu que ça commence dans les années 80 qu'on détecte aux États-Unis des jeunes hommes qui ont une infection bizarre. On ne comprend pas trop pourquoi. En fait, maintenant, on sait que ça fait longtemps que l'épidémie elle existait, en Afrique en particulier, que les gens y mouraient. Mais là-bas, on s'en fout, les gens ils peuvent mourir comme des mouches. Vous savez qu'il y a des pays africains, la moitié des pays africains, je crois que l'espérance de vie, c'est 40-45 ans, un truc comme ça. Nous, on est à 80 ans, hein, encore aujourd'hui. Hein. On vit deux fois plus vieux presque ici que là-bas. Bon. Donc là-bas, les gens, ils meurent comme des mouches, on ne savait pas trop pourquoi. Il a fallu que les pays riches soient touchés pour qu'on commence à s'intéresser au sida. C'est-à-dire que quand on a eu des jeunes hommes américains qui avaient des maladies bizarres, on a essayé de comprendre pourquoi. Et quand on a commencé à comprendre pourquoi, on a découvert que ça faisait belle lurette que dans certains pays pauvres, il y avait des gens qui avaient cette maladie et qui en mouraient. En tout cas, ça date des années 80. Le mot sida, donc, il date visiblement d'août 82. Après, il y a les associations qui se sont mises en place très très vite en France en tout cas. Surtout des associations gays, d'ailleurs, au départ. C'est les associations homosexuelles qui ont fait évoluer les choses. Donc, l'épidémie, elle a évolué, elle a touché de plus en plus tous les publics, évidemment. Tout le monde est touché, je rappelle, hein, tout le monde est concerné. Les femmes plus que les hommes. Dans le monde, il y a plus de femmes qui ont le sida que d'hommes. Il faut savoir. Il y a beaucoup plus d'hétérosexuels qui ont le sida dans le monde que d'homosexuels. Il faut le savoir, parce que les gens, ils ont un prisme. Tu serais en Roumanie, tu penses que le sida c'est une maladie d'enfant, parce qu'en Roumanie c'est surtout des gamins qui ont été transfusés et qui ont été contaminés. Tu serais en Italie, pour toi le sida ça serait une maladie de toxicomane, parce qu'en Italie c'est surtout les toxicos qui ont été touchés les premiers. À Paris, c'est les gays, mais en Afrique, on a vu, c'est les femmes, et n'importe qui pouvait être touché, et ça touche évidemment tout le monde. Oui, les femmes, parce que les femmes ont 5 à 10 fois plus de risques que les hommes d'attraper une infection sexuellement transmissible. Une femme, du fait de son anatomie, hein, du fait de son physique, elle a 5 à 10 fois plus de risques qu'un homme d'attraper une IST. C'est bon de savoir, parce que les organes sexuels internes, c'est beaucoup, beaucoup plus fragile que les organes sexuels externes. Donc déjà, du fait de son anatomie, la femme, elle est plus fragile, et en plus, socialement, eh ben, elle est plus fragile aussi parce que dans certaines communautés et pas que, eh ben, il y a plein de femmes qui se font violer tous les jours, y compris et surtout dans le couple. Plein de femmes qui font l'amour alors qu'elles n'en ont pas envie. Juste pour faire plaisir au mec parce que lui, il est chaud. Alors qu'on sait que les mecs, quand ils sont chauds et excités, ben, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils deviennent méchants. Donc il y a plein de femmes qui se sacrifient, qui font semblant d'avoir du plaisir ou qui acceptent un rapport alors qu'elles n'en ont pas trop envie. Moi, j'appelle ça un viol. Mais bon, c'est commun et malheureusement, c'est le vécu de beaucoup. Donc l'épidémie, elle a progressé. C'est un Français qui a découvert le premier au monde le virus, on appelait HTLV3 au départ, VIH, HIV en anglais, professeur Montagnier, Cocorico, prix Nobel de médecine, mais il a été reconnu longtemps après. Donc c'est un chercheur français, le premier au monde qui a découvert ce fameux virus. Et c'est grâce à ça qu'on a pu trouver plus tard certains traitements qui commencent à être efficaces aujourd'hui. Même si on ne guérit pas du sida, on soigne. Donc, on ne va pas être trop long sur la chronologie. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est quelques chiffres clés quand même. Des chiffres clés, je peux prendre ceux-là. 2007, petit rappel très simple, hein. Nombre de personnes infectées dans le monde. Là, on était à 37 millions, c'est quand même pas mal. Sur les 37 millions, il n'y a que 16 millions de personnes qui bénéficient du traitement. C'est dégueulasse. C'est-à-dire que dans les pays riches, les gens qui ont les traitements, ils vont vivre très vieux dans les pays pauvres. Beaucoup de femmes et d'enfants n'ont toujours pas accès aux médicaments qui coûtent trop cher. Ils sont en train de mourir et vont encore mourir. Bon, c'est comme ça. Vous êtes nés du bon côté. Donc 17 millions de personnes dans le monde vivent avec le VIH sans le savoir. Il y a 17 millions de personnes dans le monde qui se baladent, qui ont le virus dans le sang, qui peuvent le transmettre, bien sûr, et qui ne le savent pas. D'où le problème du dépistage. 150 000 personnes, ça c'est en France, au moins 150 000 personnes qui vivent avec le virus VIH. Plus de la moitié sont en Île-de-France.
Et 20 000 l'ignorent. Bon, en fait, ce serait plutôt 23 ou 25 000 personnes portent le virus sans le savoir. Mais ça peut être des gens proches de vous, vos parents et autres, qui ne savent pas, qui n'imaginent pas avoir pris un risque. Il y a de plus en plus de femmes à Paris qui se on découvre qu'elles sont malades du sida parce qu'elles sont très malades et qui finissent les médecins par faire ce test. Alors qu'avant, ils ne l'auraient pas fait ce test, ils n'y auraient même pas pensé. Et ces femmes-là, quand on découvre qu'elles sont séropositives, elles nous disent « Mais monsieur, moi j'étais mariée, j'étais fidèle, donc je pensais que ce n'était pas mon problème. Jamais j'aurais pensé que… » Tout ça parce qu'en fait, ça révèle des problèmes de vie de couple qui fait que monsieur, peut-être il a été voir ailleurs, il n'a pas osé le dire et elle a pris un risque sans le savoir. Donc il y a plein de gens comme ça, et les femmes en particulier, qui n'imaginent pas être concernées, qui ne se protègent pas, et ça fait partie des plus vulnérables. Donc on a 6000 personnes ont découvert leur séropositivité en VIT en 2015 par exemple, c'est à peu près pareil en 2016. 43% en Ile-de-France, c'est presque la moitié. Et 9 sur 10 nouveaux cas de VIH sur Paris concernent les populations particulièrement exposées. Donc les populations migrantes, beaucoup de femmes migrantes en particulier. Et les populations homosexuelles ou bisexuelles restent particulièrement à risque. Surtout qu'ils se protègent moins aujourd'hui qu'hier, donc l'épidémie elle repart, mais pas que. Donc ça c'était 2-3 chiffres intéressants. Je les ai aussi sous cette forme-là. Trois chiffres clés. Donc 6000 découvertes de séropositivité en 2016. 25 000 personnes, on l'a dit, qui ignorent, qui sont porteurs du virus. Ça pose problème, hein, ça. Et 27% des découvertes de séropositivité se font à un stade avancé de la maladie. C'est-à-dire que c'est souvent quand ils sont très malades qu'ils viennent faire un dépistage. Mais quand on connaît la durée d'incubation entre le moment où quelqu'un attrape le virus et le moment où la maladie se déclare, c'est en moyenne 10 ans. Entre-temps, en 10 ans, la personne elle a pu contaminer pas mal de monde dans la joie et la bonne humeur. Et ça, c'est les 75 000, c'est le nombre d'autotests vendus en pharmacie. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, on en reparlera, c'est quand même sympa de savoir. N'importe qui, dans n'importe quelle pharmacie, peut acheter pour 20 euros un kit. Même un enfant de 13 ans, il peut acheter dans une pharmacie un kit et sur une goutte de sang, se faire un test du sida dans sa chambre. Dites-le à vos parents, parce qu'ils ne le savent pas, ça. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a urgence à ce que tous ceux et celles qui ont pu prendre un risque au moins une fois se fassent dépister. Parce qu'on a un médicament à leur proposer gratuit qui va bloquer le virus. Et surtout, ça va arrêter l'épidémie. Et c'est-à-dire toutes les personnes en Ile-de-France qui ont fait au moins une fois l'amour sans préservatif devraient se poser des questions. Et on aimerait que ces gens-là, ils aillent tous faire un dépistage. Alors, il y a le dépistage qu'on peut faire chez soi, mais c'est le plus mauvais. Le mieux, c'est les centres de dépistage anonymes et gratuits parce que c'est la prise de sang. On cherche d'autres IST, on peut discuter avec un médecin. C'est plus intéressant que de faire ça tout seul dans son coin. Et ça peut être bien sûr anonyme et gratuit. Mais donc le dépistage, ça nous paraît quelque chose d'important et d'utile. Et on aimerait que chacun et chacune puisse donner envie à ceux qu'ils aiment, à ceux qu'ils aiment, d'aller se faire dépister. Puis c'est l'occasion de se poser des questions sur sa sexualité aussi par ailleurs. Alors, les mots-clés qui correspondent au message qu'on veut faire passer aujourd'hui en 2017, c'est simple, c'est la prévention, elle prend différentes formes, la prévention. Je dois avoir un affichage normalement plein écran, c'est ça. Donc, il n'y a pas une façon de se protéger, il y en a plein, ça peut être l'abstinence, se limiter à la masturbation par exemple. C'est bon pour la santé la masturbation, il ne faut pas hésiter, hein. Dans les lycéens, moi je vois des collégiens, des collégiennes, des filles en particulier qui ne savent pas que ça existe, qui ne savent pas qu'elles peuvent se masturber, se faire jouir, comme les garçons, aussi facilement qu'un garçon. Si elle a envie de le faire, et si on lui a donné 2-3 conseils, n'importe quelle jeune femme, comme n'importe quel garçon, peut se masturber, se faire jouir, et l'orgasme, c'est bon pour la santé. Ça détend, ça relaxe, c'est les sécrétions d'endorphines, c'est encore mieux qu'un pétard. Il y a vraiment des gens, faut pas hésiter quoi. Parce qu'on continue, on voit la masturbation, ça rend sourd, ça donne des boutons et tout ça. Non, mais c'est des bêtises qui continuent, ou ça nuit à la sexualité. Non, non. Donc, il y a 36 façons de se protéger. L'abstinence, on l'a vu. Mais il y a aussi, il n'y a pas que le préservatif, c'est ça que je veux dire. Il y a les rapports sexuels non pénétratifs. Alors, je ne les connais pas, parce que ce qu'ils connaissent de la sexualité, souvent, c'est les pénétrations à travers les films porno. C'est pour ça qu'ils font ça comme des chiens, les hommes. Parce que souvent, l'éducation sexuelle, elle s'est faite par les films porno. Donc, ils font pareil, boum, 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 boum. Ils éjaculent trop vite. Dans le meilleur des cas, elle n'a pas eu mal, mais elle a fait semblant d'avoir du plaisir. Et souvent, c'est pour la femme, en tout cas, c'est plus frustrant que pour l'homme. Et s'ils connaissaient leur corps, s'ils connaissaient les zones érogènes, s'ils connaissaient le tantrisme, ils sauraient comment on peut faire l'amour pendant des heures, pour avoir des orgasmes, sans forcément passer même par la pénétration.
Or, souvent, les gens, ils ont une image de la sexualité qui est pénétrocentriste, comme on dit, et qui n'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. Ça dure peu de temps, c'est pas forcément ce qui donne le plus de plaisir, mais c'est ce que le porno transmet comme modèle, on va dire. La question, c'est ça, lutter contre les STD et le sida, c'est d'abord faire de l'éducation sexuelle. Alors, c'est au programme, hein, normalement, 2 à 3 heures chaque année d'éducation à la vie affective et sexuelle. Ça, c'est dans les programmes en théorie, mais dans les faits, c'est pas fait. Ou alors, c'est la reproduction chez les tétards, quoi. Donc nous, on voit des ados qui voient du porno à partir de 8 ans, parce que l'âge moyen de la confrontation à la pornographie, c'est 8 ans. Et puis à l'école, on leur a parlé de la reproduction chez les tétards. Et nous, quand on leur libère la parole, à 14 ou 13 ans, c'est « Monsieur, est-ce que c'est vrai que les meufs, elles peuvent jouir du cul ?» Quoi, c'est des questions pertinentes pour eux, auxquelles le prof de bio ne répondra jamais. De toute façon, ils n'oseront pas poser la question. Bon. Donc la prévention, ça peut être l'abstinence, les préservatifs, la sexualité non pénétrative, les médicaments. Vous savez, quand tu vas dans certains pays en Afrique, pour ne pas attraper certaines maladies, on va te donner des médicaments. Et le paludisme, par exemple, eh ben, au jour d'aujourd'hui, on a des gens qui ne peuvent pas mettre de préservatif, parce qu'ils n'y arrivent pas, ça les fait débander, etc., qui sont des chauds lapins, et qui viennent nous demander le médicament anti-sida pour ne pas attraper le sida. Et c'est tout à fait possible. Ils peuvent voir certains médecins pour ça, on leur prescrit le médicament anti-sida, et tant qu'ils ont le médicament anti-sida dans le sang, eh ben, ils ne peuvent pas attraper le sida. Donc le médicament anti-sida, il peut servir comme un vaccin, entre guillemets, et bon, ben, ça c'est pour ceux vraiment qui n'ont pas le choix. Mais c'est bon de savoir que ça existe, ça s'appelle la PrEP. Donc c'est le traitement post-exposition, ça c'est après, par rapport à la prise de risque. Donc un des messages, c'est que la prévention, elle prend des formes très différentes et variées. Un des messages, c'est qu'une personne séropositive qui est traitée ne transmet pas le VIH. Intéressant. Quelqu'un qui prend bien les traitements, il a une charge virale indétectable, et ben il ne peut plus transmettre. Donc si toutes les personnes séropositives le savaient, qu'elles sont séropositives, et si elles prenaient tout le traitement, l'épidémie, elle s'arrêterait. Donc oui, une personne qui est malade du sida ou séropositive, qui prend bien les médicaments, et ben elle ne transmet plus. Intéressant. Autre message important, un médicament pour protéger les personnes les plus exposées, je viens d'en parler, hein, c'est la fameuse PrEP. Alors évidemment, le problème, là, je suis passé l'autre jour à San Francisco. San Francisco, c'est une ville où record au monde par rapport au nombre de jeunes hommes qui sont morts du sida. C'était la catastrophe. Et depuis qu'il y a la PrEP, les 60% des homosexuels ou bisexuels de San Francisco prennent la PrEP. Et donc, en fait, souvent, ils ne se protègent plus, ils ne mettent plus de préservatifs. Et donc, ils attrapent d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et on a une recrudescence là-bas de la gonocoxie, qu'on appelle la chaude pisse, de la syphilis, 30 ou 40% de syphilis en plus, parce que comme ils ne mettent plus de capote, parce qu'ils ont pris le médicament anti-sida, et ben, les autres infections sexuellement transmissibles, elles se propagent beaucoup plus vite. Mais bon, elles se soignent. Donc, se dépister régulièrement et après toute prise de risque, c'est important. C'est un des messages, évidemment, qu'on voudrait faire passer. Vivre bien avec le VIH, c'est une personne qui est contaminée ou malade, si elle prend bien les médicaments, elle a une espérance de vie qui est à peu près similaire à celle de n'importe qui. Et la fin de l'épidémie, ben on espère, dès lors que tout le monde aura été se faire dépister ou bénéficiera des traitements. Donc les choses ont un peu évolué, et vos parents, vos grands frères, vos grandes sœurs, ils sont souvent restés à l'image du sida d'il y a 10 ans. Du genre, quelqu'un de séropositif, il a le sida, il va mourir. Non, c'est plus comme ça. Et c'est pareil pour le fait que ces médicaments soient accessibles aux urgences et que quelqu'un qui a pris un risque, tiens, ton neveu, ton petit frère, ta petite sœur, il s'est piqué avec une seringue dans la cave, on le mène aux urgences, on va lui donner le médicament anti-sida pendant un mois et il ne pourra pas attraper le sida. T'as une copine qui a couché avec un mec bizarre et ça a saigné, ou elle a peur, la capote elle a craqué, ou elle s'est fait violer, elle va aux urgences de l'hôpital, ils vont lui donner le médicament anti-sida pendant un mois et elle ne peut pas attraper le sida. Génial. Mais je vous promets que vos parents, ils savent pas ça, hein. Vos grands frères, vos grandes sœurs non plus, quoi. C'est utile de le savoir. Hein. Tu peux avoir un neveu qui se pique avec une seringue pendant les vacances sur la plage ou ailleurs. C'est pas une semaine après qu'il faut aller aux urgences. Hein. C'est plutôt que ça. Les messages clés, on les fait passer souvent de façon très simpliste, hein, avec des dessins animés tout publics. Mais ils ont l'avantage, ces dessins animés, d'être clairs et d'être à jour. Donc on va en regarder un ou deux si vous le voulez bien. Je vous mets une version sous-titrée pour ceux qui... Le virus du VIH attaque lentement les défenses de notre corps qui servent à nous protéger des microbes et...
Donc là, on est sur des outils qui, soi-disant, sont universels. On a travaillé avec le ministère de la Santé il y a quelques années sur des outils au départ pour les sourds-muets. Puis on s'est rendu compte que l'image parle d'elle-même. Et en fait, les outils pour sourds-muets, on peut les utiliser avec des migrants qui ne parlent pas le français, et avec tout public, en fin de compte. Donc c'est des outils qui se veulent maintenant universels et qui doivent pouvoir communiquer avec tout le monde de façon très simple, parce que l'idée, c'est que les messages y passent très simplement et que tout le monde puisse les reprendre. Là, c'était une généralité sur le virus. Après, on a bien sûr la transmission qui n'est pas très claire. Et là, c'est une femme, par exemple, visiblement, elle est séropositive. Elle l'a dit à son conjoint et son conjoint, il n'ose pas l'embrasser. Si, c'est bon. Donc oui, une femme qui est excitée, il y a une lubrifiant naturel qui prépare une éventuelle pénétration. Ça peut transmettre aussi les germes, les bactéries, les virus. Mais un homme, c'est pareil. Quand il est excité, il a un petit liquide qui s'appelle le liquide séminal ou pré-éjaculatoire. Et bien, on peut faire un enfant avec ce liquide-là. C'est-à-dire que dès qu'un homme commence à pénétrer une femme, il peut lui faire un enfant, même s'il n'a pas éjaculé. Il y en a plein qui n'ont pas compris ça. Et puis, il peut transmettre des germes, des bactéries, des virus. Et ce petit liquide, ils n'en parlent pas. Et ça peut poser problème. C'est bon de savoir. Parce qu'il y en a, ils vont pénétrer, puis ils vont se retirer avant d'éjaculer. On va dire qu'il n'y a pas de risque. Ben, si. Tu peux devenir papa quand même et transmettre des maladies, même s'il y a moins de risques. Donc ça, c'est pas très clair dans le petit dessin animé, mais pour le reste, c'est d'actualité. Pour le test, bon, je vous ai parlé du test qu'on achète en pharmacie, mais en fait, il y a trois tests différents. Et le troisième épisode, il rappelle les différents tests. C'est pas inutile. Si vous avez pris un risque, ou tout simplement si vous voulez savoir.
Alors là, le petit correctif, c'est par rapport au dépistage. Ils oublient de rappeler qu'il y a un délai. Et que quand on te fait une prise de sang, cette prise de sang, elle te dira si tu étais contaminé 6 semaines avant. Et quand tu fais un test sur une goutte de sang, cette goutte de sang, elle te dira si tu étais contaminé 3 mois avant. Donc quelqu'un qui a pris un risque maintenant, qui veut faire un test dans 3 jours ou dans 15 jours, ça ne sert à rien, c'est trop tôt. Hein, y a un délai pour ces fameux tests, le temps que les anticorps se diffusent dans l'organisme, quoi. Par contre, le traitement d'urgence, vous avez compris, normalement, c'est 1 ou 2 jours maximum après qu'on peut en bénéficier. Après, ça ne sert plus à grand-chose. Un peu comme la contraception d'urgence, quoi. Y a un délai maximum par rapport à ça. Le quatrième petit film, ça va être sur le préservatif, ou on va dire les préservatifs. Il se veut aussi didactique. Il faut s'en protéger avec préservatif. Et lubrifiant, on n'en parle pas assez, lubrifiant. Il achète préservatif, mais il achète lubrifiant. S'il y a des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Hein. C'est des choses que vous ne comprenez pas bien, qui vous ont étonné ou surpris ou choqué. Donc, préservatif féminin, c'est parce que, entre autres, certains hommes ne mettront jamais de préservatif. Ils ont un vrai blocage pour ça. Et madame, elle, au moins, elle peut se protéger. Dans certaines communautés un peu polygames, monsieur, il va voir ailleurs. Il ne mettra jamais un préservatif et il va ramener le virus à sa femme. C'est ce qui se passe pas mal actuellement à Paris. Parce qu'elle ne sait pas qu'elle a un préservatif, elle, et qu'elle peut se protéger avec ça. Alors, les problèmes auxquels on est confronté quand on veut faire la prévention des IST, d'abord, c'est la méconnaissance de son corps, l'anatomie. Les troubles liés à la méconnaissance du corps. Et parce qu'il faut rappeler aux gens que le sexe, il n'est pas ici, il n'est pas entre les jambes. Le sexe, il est dans ta tête. Désir, plaisir, fantasme, c'est dans la tête. Et quand ça ne va pas ici, ça ne va pas en bas. Donc, les troubles de l'érection, 9 fois sur 10, sont plutôt dans la tête. Hein, en période d'examen, ou parce qu'il a des problèmes, ou parce qu'il a des soucis, etc. Pareil, une femme qui n'a pas de désir, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas d'orgasme, le problème, ce n'est pas son vagin, il marche très bien son vagin. C'est est-ce qu'elle a peur, est-ce qu'elle est amoureuse, est-ce qu'elle a envie. Donc les problèmes de sexualité se passent dans la tête, la sexualité, c'est dans la tête, et la sexualité, ça va de la naissance à la mort. Nous avons une sexualité toute notre vie. Un enfant de 3 ans, il a une sexualité, un enfant de 9 ans, il a une sexualité, une personne âgée de 98 ans, elle peut avoir une sexualité. Et ça, c'est pas assez dit. Il y a trop de gens qui croient que la sexualité, ça commence à la puberté. Il y en a même qui nous disent que ça s'arrête à la ménopause, quoi. Maintenant, une femme de 90 ans, elle peut jouir, elle peut avoir des orgasmes. Elle fera pas d'enfant, hein. Alors qu'un homme, lui, peut faire un enfant jusqu'à la mort. Je connais un monsieur qui est devenu papa à 102 ans. Il pensait que ça marcherait plus. Ben si, ça peut encore marcher. Oui, on peut encore être papa à 102 ans. Bon. Donc, méconnaissance de ce qu'est la sexualité, puisque les gens associent trop la sexualité à la pénétration, alors que les pénétrations ne représentent que 30% de la sexualité. Tu as 70% de la sexualité qui n'est pas pénétrative. Quand je dis les pénétrations, c'est pénétration vaginale,
pénétration anale, sodomie ou fellation, qu'on considère comme une pénétration, ça ne représente que 30% de la sexualité. Mais tu as 70% de la sexualité qui n'est pas pénétrative. Et ça, les gens, ils connaissent pas trop. Et ils font ça souvent un peu comme des chiens, comme des bourrins, parce que leur éducation sexuelle, je vous dis, c'est faite souvent par le porno. C'est dommage, ça pourrait se passer bien mieux et ça pourrait aider les couples, on l'a compris, à durer plus longtemps. Alors souvent, on découvre quoi ? Bah, une méconnaissance de l'anatomie. Les gens ne savent pas trop comment ils sont faits. Je ne vous provoquerai pas, hein, parce que si je voulais provoquer, je demanderais à certains hommes ici par où une femme urine. Et certains hommes ici présents me diraient, bah, elle urine par le vagin. Parce que ça, on l'entend tous les jours chez les étudiants, que les femmes font pipi par le vagin. Alors, eh ben non, les femmes ne font pas pipi par le vagin. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on leur a appris quand ils étaient en 5e ou 4e ? Parce que c'est là que ça s'apprend normalement. Donc, il y a des méconnaissances anatomiques. Et souvent, on est obligé de revenir à des schémas anatomiques pour mieux connaître son corps. Bien faire l'amour, ne pas attraper des ISC, c'est d'avoir savoir comment on est fait. Alors, ça va peut-être choquer, mais je vais vous montrer des vagins et des pénis. Tout le monde est majeur de toutes les façons. Et puis, ça n'est que des anatomies. Où est-ce que je vais trouver ça ? Une version... ouais, celle-ci, allez. Celle-ci, elle est gentille. Petit rappel de comment est fait le pénis. Circoncis. Non circoncis. À votre avis, y a-t-il plus ou moins de risques d'attraper une infection sexuellement transmissible lorsqu'on est circoncis ou pas ? Ou est-ce que c'est pareil ? Vous avez une idée ? Pareil ? Non, c'est pas pareil. Les personnes circoncises ont un petit peu moins de risque d'attraper une infection sexuellement transmissible. Pourquoi ? Le virus VIH sur un pénis, il ne va pas traverser la peau. La peau est une parfaite barrière. La zone qui est fragile, par contre, c'est la peau sous le prépuce ici. Il y a des petits nerfs et des petits vaisseaux. Donc quelqu'un qui a été circoncis, cette petite peau a été retirée. Donc c'est les entrées en moins du virus, puisqu'il n'y a pas la petite peau qui peut, à l'intérieur, être source d'infection. Et pareil, l'autre zone où le virus pourrait rentrer, c'est sur un gland. Un gland, c'est sensible, surtout quand on n'est pas circoncis. Parce que quand on est circoncis, le gland, il est au contact de l'air et des tissus, il a frotté, il est plus épais. Tous les hommes circoncis ont un gland qui est plus épais. Donc comme il est un peu plus épais, il y a moins de risques que les germes, les bactéries, les virus se pénètrent. Par contre, ils sont moins sensibles de ce fait, parce que la circoncision, ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Donc les prostituées professionnelles du sexe avec qui on travaille, elles vont t'expliquer que quand elles sucent un mec circoncis, eh ben, elles mettent plus de temps à faire jouir que quand elles sucent un mec qui n'est pas circoncis. Pourtant, c'est le même prix. Elles pourraient faire un prix différencié, parce que la durée, ça compte aussi quand on est dans ces professions-là. Donc les personnes circoncises ont un peu moins de risques, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de risques. Tout à l'heure, je parlais de méconnaissance de son corps. On a un record à la fac de Cergy Pontoise ou de Nanterre chez des étudiants de votre âge d'une pathologie qui est pourtant très fréquente qui s'appelle le phimosis. 8% des petits garçons naissent avec une petite peau ici qui est trop serrée. Et normalement, c'est le papa ou la maman, quand ils font leur travail de papa ou de maman, qui doivent expliquer aux petits garçons qu'il faut se laver le corps tous les jours et se laver les zizi, et qui vont se rendre compte que c'est trop serré. Donc si le pédiatre ne l'a pas vu, ils vont dire au docteur, regardez le zizi de mon petit garçon, parce qu'on voulait l'aider à nettoyer son zizi au bout, on n'arrive pas. Et c'est un bon médecin, il va dire, ah, mais c'est rien, c'est un phimosis, c'est très fréquent. On donne une petite pommade anesthésique au gamin, on lui explique que tous les jours, il a intérêt à tirer de chaque côté sur la petite peau, et au bout de quelques semaines, hop, ça va passer. 9 fois sur 10, le phimosis, avec la petite pommade, et si le gamin fait ce qu'il faut, ça passe. C'est une fois sur 10 seulement que ça nécessite une intervention chirurgicale. Et bien, on voit maintenant en France des étudiants nombreux qui ont des phimosis adultes qui n'ont été détectés par personne, dont ils ont parlé à personne. C'est-à-dire que quand ils sont en érection, ça leur fait mal, tu vois. Mais souvent, ils n'osent pas trop en parler. Et c'est dans le milieu étudiant qu'il y a le plus de gêne et de pudeur, et dans le milieu informatique en particulier. Parce que les étudiants, ouvriers ou dans le bâtiment, eux, ils parlent de cul toute la journée. Ils ont un rapport au sexe et au corps qui est très particulier, qui est très différent des gens qui font des études supérieures et qui se réfugient derrière un écran d'ordinateur. Et donc, on a dans certaines populations dites très informées, bac plus 5 ou plus, des problèmes dans le rapport au corps assez particuliers, qui peuvent entraîner de la violence. Parce que les mecs agressifs ou violents ou qui consomment des drogues, c'est souvent des gens qui ont un problème d'estime de soi et qui peuvent avoir des complexes parce qu'ils trouvent que leur sexe est trop petit, parce que justement, ça leur fait mal quand ils bandent et qu'ils ont osé en parler à personne, ou parce qu'il est tordu. Alors qu'on a quand même 30 à 35% des hommes en France métropolitaine, quand ils bandent, qui ont un pénis tordu. Mais ça peut aller loin. Moi, j'ai vu à la prison de Fleury-Mérogis, le psychiatre qui me montrait un détenu dans une cour. Bon, il y a plein de cours. C'est une très, très grande prison. Fleury-Mérogis, c'est la plus grande prison d'Europe. Il y a plein de cours. Il y en a une toute petite où on isole certaines personnes qu'on appelle les pointeurs. Les pointeurs, c'est les violeurs. Et le psychiatre, il me montre par la fenêtre un mec tout seul qui tournait dans cette petite cour. Il dit, vous voyez, cet homme, il a 27 ans. Sa seule sexualité, c'était 3 fois de violer des femmes dans le noir. Cet homme est en prison pour viol. Sa seule sexualité à 27 ans, ça a été de violer des femmes dans le noir.
Je dis oui, et alors? Il me dit, ben, pénis tordu. Parce que le psychiatre, il a réussi à le faire parler. Vous savez ce qu'il a fini par avouer, le mec, qu'à l'âge de 13 ans, il faisait partie d'un club de foot en banlieue. Club de foot en compétition, haut niveau. Hein. Et puis, comme beaucoup de sportifs, ils allaient tout nus sous la douche, entre garçons, et il se trouve qu'il a un zizi tordu. Et un jour, tous ses petits copains de 13 et 14 ans sont foutus de sa gueule parce que son sexe était tordu. Et lui, il a vécu ça comme la honte de sa vie, une agression sexuelle. Il a immédiatement arrêté le foot. Il a dû aller sur Internet où il a vu des sexes bien droits, tu vois. Et il n'a plus jamais osé montrer son sexe à personne, tellement il avait peur des réactions et la honte qu'il en avait. Et plus tard, sa seule sexualité, ça a été de violer des femmes dans le noir. T'as compris? Si on a un rapport au corps aussi coincé qu'on l'a en France, c'est le nid du sida, c'est les gens qui font mal l'amour. Parce que je dis ça en France, allez voir aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, le rapport au corps est complètement différent. Hein. Ils sont beaucoup plus naturels et moins... Plus tu caches, plus il y a un excès de pudeur qu'on appelle la pudibonderie, plus les gens ils vont voir sur Internet des saloperies, ou plus ça peut faire naître les perversions. Donc le problème du rapport au corps dans les pays latins, il est assez délicat, et des choses qu'on devrait apprendre à l'école, normalement, on ne l'apprend pas. Donc l'anatomie, souvent, c'est une nécessité quand on veut lutter contre les IST. On explique comment est fait un pénis, avec les deux éponges qui peuvent se gonfler de sang. Et d'ailleurs, un problème qu'on a chez des gros fumeurs de cannabis, vous voyez les artères ici, il y a une artère là et une artère là. On a plein de jeunes hommes, jeunes parce qu'ils ont 30-35 ans, qui ont des problèmes d'érection. Normalement, avec de 30-35 ans, il n'a pas de problème d'érection. Sauf s'il a fumé comme un malade, chicha, shit ou tabac. Le shit, c'est encore pire parce que le filtre, ça filtre que dalle. Donc les gros fumeurs qui ont commencé tôt, qui fument beaucoup, ils ont une maladie qu'on appelle la maladie athéromateuse. Pour faire simple, c'est les tuyaux qui se bouchent. Et parmi les premiers tuyaux qui vont se boucher chez un jeune homme, il y a les artères qui amènent le sang au pénis. Donc c'est bouché. Donc même s'il est excité, ça gonfle pas. Et tu vas pas boire du desktop, hein. Quand c'est bouché. Hein. Et les Viagra, ça sert à rien dans ces cas-là, je veux dire. Non mais... Bon, ça c'est le décalotage. Hein. Normalement, on ne devrait pas pouvoir être papa ou maman sans expliquer aux gens... C'est étonnant ce pays quand même. Tu vois, pour conduire une voiture, on se fait chier. Il y a des cours, il faut payer un examen. Par contre, pour faire un gosse, n'importe quel con, n'importe quel conne peut faire un gosse sans aucune formation. Alors que pour moi, la responsabilité d'un enfant, c'est autrement plus grave que celle de conduire une voiture. Eh bien, rien que ça, l'hygiène, je ne sais pas si vos papas ou vos mamans vous ont expliqué, les garçons ici présents, comment décaloter et laver le zizi, mais normalement, c'est indispensable. Ça se faisait beaucoup il y a 20 ou 30 ans, et maintenant, moins qu'avant. On régresse dans ce domaine. Là, vous retrouvez donc le pénis au repos en érection et une glande dont on parlera, si vous voulez, qui est la prostate, importante. Le sexe féminin avec le méa urinaire ici. Tête du clitoris, tac-tac. Donc là, oui, là, il y a un champ de bite, évidemment, bon. Circoncis, non circoncis, la veine, oh là là, il y a plein de jeunes qui ont une grosse veine sur le pénis, ils n'osent pas en parler, ils pensent que c'est une maladie. Surtout que souvent c'est après un rapport sexuel qu'ils se regardent et qu'ils découvrent qu'il y a une grosse veine. Ben non, c'est normal, simplement la veine on la voit pas, c'est pas une maladie. Mais ils ne savent pas trop à qui en parler. Alors méfiez-vous des pénis mesdames, parce qu'un pénis c'est fourbe. Il n'y a aucun rapport entre la taille d'un pénis au repos et la taille des pénis en érection. Un mec il peut avoir un tout petit zizi au repos et quand il bande elle peut être énorme. Et d'autres, ils ont un gros pénis au repos et quand ils bandent, elle est quasiment pas plus grosse. C'est fou. C'est-à-dire que là, si ça se trouve, le pénis le plus gros en érection, si ça se trouve, c'est celui-là. C'est tout à fait possible. C'est magique. En médecine, on va t'expliquer que les capacités dilatatoires des corps spongeux et caverneux sont variables de 3 à 10, etc. Mais c'est un phénomène intéressant. Là, on les retrouve en érection. Alors, circoncis ou pas, la moitié sont circoncis et la moitié ne sont pas circoncis. Quand on bande, c'est pareil, hein. Bon, moi, je suis un pro, je fais la différence. Oui, lui, il est circoncis. Oui, lui, il n'est pas circoncis. Oui, lui, il est circoncis. Lui, il n'est pas circoncis. Là, c'est à la limite phimosis, mais non, si ça passe, si ça fait pas mal, c'est bon. Ils ont fait trop droite, parce que je vous dis quand même, on a pas mal d'hommes qui ont un pénis tordu. Au passage, c'est mieux d'avoir un pénis tordu. Hein. Un pénis tordu a plus de chances de faire jurer une femme qu'un pénis droit. Donc, ce que certains vivent comme un handicap, en fait, c'est un atout. Je vous expliquerai pourquoi, si ça vous intéresse tout à l'heure. Donc, voilà, un pénis tordu. Bonjour, merci. Ça peut être tordu dans tous les sens, hein. À gauche, à droite, et ça n'a rien à voir avec les opinions politiques. Hein. Les poils, on pourra en parler si vous voulez aussi, pourquoi pas. Parce que rien que sur les poils, il y a une mode anti-poil, mais informons les gens, informons les jeunes. Qu'est-ce que tu fais avec les poils? Ah, les poils, c'est dégueulasse. Ah bon, c'est dégueulasse les poils, pourtant tu as des poils sur la tête. Quand c'est propre. Puis les poils, c'est normal, c'est naturel, c'est utile, je peux même t'expliquer à quoi ça sert les poils. Dans le corps humain, quand il y a des trous, il y a des poils. Donc au fond des trous de nez, il y a des poils, au fond des oreilles, tu vas trouver des poils, autour de l'anus, il y a des poils. Les poils, c'est fait pour éviter que les germes, les bactéries, les virus ne pénètrent, c'est une protection naturelle. Après, on peut aimer ou ne pas aimer les poils. Et comme ils n'aiment pas les poils, je vous expliquerai pourquoi, là, dans notre société,
qui n'aime pas les vieux, qui cache la mort. On va vers une forme de pédophilie parce que tout le monde veut rester enfant et ressembler à un enfant le plus tard possible. La chasse aux rides, chasse aux poils, ça vient souvent de là. Je ne parle pas du marketing qu'il y a derrière. Ils n'aiment pas leurs poils, c'est ce qu'ils font, c'est con, ils les coupent. Mais attends, du con, si tu coupes, c'est que tu aimes les poils. Un poil, au départ, c'est tout doux et c'est tout fin. Si tu as malheur de le couper, le poil, il va pousser épais. Et plus tu coupes un poil, plus il pousse. Donc si vous aimez les poils, coupez-les. Si vous aimez pas les... plus vous allez les couper, plus vous en aurez. Donc on ne leur a pas expliqué que l'épilation, pourquoi pas, mais le fait de couper, même les fameuses crèmes, ça coupe. C'est pas comme ça qu'on évite les poils. Bon, les jeunes nous posent des questions comme ça très pertinentes qu'ils osent poser à personne. Là, vous retrouvez le testicule plus gros que l'autre. Tu regarderas ce soir, tu as forcément une boule plus haute que l'autre. Vous savez pourquoi ? Ton petit frère ou ton gamin, plus tard, il va peut-être te demander. Les testicules, c'est certainement l'endroit le plus sensible du corps masculin. Donc on dit aux jeunes filles, si un jour vraiment quelqu'un veut t'agresser, si tu peux, donne un grand coup de pied dans les couilles, c'est vraiment là qu'il a de la chance de pouvoir te sauver. Donc si les testicules étaient à la même hauteur, quand ils marchent ou quand ils courent, ça va se cogner comme les cloches. Aïe, aïe, aïe. Donc la nature les a décalés pour pas que ça se cogne. Donc c'est pour ça que tous les hommes ont un testicule plus haut que l'autre pour éviter les chocs. Et c'est pareil pour les dames, souvent elles ont un sein plus gros que l'autre pour éviter les chocs. Parce qu'il y a très longtemps, l'espèce humaine marchait à quatre pattes. Alors là, les chocs étaient plus violents. Moi, c'est basique, mais ça peut rassurer. Donc les sexes masculins sont tous différents, les sexes féminins aussi. On a le meilleur urinaire, il n'est pas toujours visible, et beaucoup de gens donc croient... on voit des jeunes filles qui viennent se faire opérer, elles viennent pour qu'on leur découpe les lèvres, parce qu'elles ont des lèvres qu'elles jugent trop grosses. Et c'est des garçons souvent qui leur ont fait des réflexions. Ou alors elles se comparent aux films porno, comme s'il y avait un modèle. Non, tous les pénis sont différents, tous les vagins sont différents. Mais il y a vraiment... puis là, il y a le fameux clitoris, dont on ne parle pas assez. Et c'est un élément essentiel. Moi, j'en ai un aussi, clitoris, figurez-vous, et je suis venu pour vous le montrer. Mais avant, je vais quand même vous montrer sa version en 3D, qui doit être... celui-ci, par exemple. Voilà. S'il vous plaît. The clitoris. Ce que les gens connaissent du clitoris en France, métropolitaine, c'est cette petite boule ici qui dépasse. Tout ça, c'est à l'intérieur et ils ne connaissent pas. Tout à l'heure, on a vu un pénis, corps spongeux, corps caverneux. La femme, elle est faite pareil. Un homme et une femme, c'est fait pareil. Simplement, ce n'est pas mis au même endroit. Donc, les deux éponges que l'homme il a dans son pénis, la femme, elle les a ici. Et corps spongeux, corps caverneux, elle les a aussi à l'intérieur. C'est comme un iceberg. Hein. La seule chose qui ressort, c'est cette petite boule. Moi, je peux vous montrer mon clitoris. Moi, je dis autour du cou, mon clitoris, c'est original. Hein. Et moi, je peux le montrer, mon clitoris, en plus, sans que ça fasse d'histoire. Au jour d'aujourd'hui, on a la magie des imprimantes 3D. Vous connaissez, vous, tout ça. Et donc, tous les organes, on les a en numérique et on peut les imprimer. Donc, nous, on s'est imprimé un petit clitoris en taille réelle. Et donc, ce que les gens connaissent du clitoris, c'est la petite partie rose qui bande quand elle est excitée. Et ça, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc là, vous avez le clitoris dans sa taille réelle. Et quand il y a une pénétration, ça se passe comme ça. C'est important parce que c'est la connaissance du clitoris qui permet de procurer un orgasme. Le clitoris est le seul organe humain qui n'a qu'une seule et unique fonction, le plaisir. Et que ce soit par une stimulation externe ou par une stimulation interne, à travers les pores du vagin, c'est le clitoris, en règle générale, qui peut être source d'orgasme chez la partenaire. Donc là, on l'a en 3D. J'ai envie de vous... Il y a un clitoris qui voudrait vous parler, donc j'ai envie de vous le faire rencontrer. C'est un clitoris québécois qui a quelque chose à vous dire. Ben, il est québécois aussi, un clitoris. Ce serait grâce à elle que les femmes ont un
qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a 100 fois plus de terminaisons nerveuses sur une tête de clitoris que sur un gland. C'est pour imaginer le plaisir que ça peut procurer. Mais il y a plein de femmes qui n'imaginent pas ça, qui ont un blocage et une zone érogène. Si t'es pas détendu, si t'as pas envie, comme qui dirait morte. C'est pareil pour les tétons chez les femmes comme chez les hommes. Il y a plein de zones érogènes qui, pour certains n'existent pas parce qu'ils ont un blocage par rapport à ça. Alors qu'en termes de terminaison nerveuse, ça pourrait être des zones extrêmement, extrêmement agréables s'ils se laissaient aller et s'ils avaient cette curiosité naturelle. Donc, bien connaître son corps, c'est avoir du plaisir, c'est donner du plaisir. Ça aide à réussir dans ses études, ça aide dans tous les domaines. Et c'est une façon aussi pour nous de réduire les infections sexuellement transmissibles parce que les prises de risques sexuelles sont souvent liées à une méconnaissance de son corps. Des réactions ? J'avais un clitoris, mais j'ai aussi mon vagin. Si vous voulez voir mon vagin, ce que vous auriez dû voir quand vous étiez à l'école, normalement en quatrième, je crois, c'est un vagin taille réelle. Hein. Là, je vais me transformer en femme. D'habitude, je le fais la nuit au bois de Boulogne, là, je le fais en pouf, pof. Voilà, je suis une femme. Et c'est exactement la taille réelle d'un sexe féminin, et on peut voir comment ça se passe à l'intérieur. Utérus, ovaire, etc. C'est ce que tous les jeunes, tout ce que vous auriez dû voir, découvrir à l'école pour comprendre, mais bon, ça ricane, on est trop nombreux et c'est pas abordé. Et c'est ces informations-là qui permettent après d'assurer dans sa vie sexuelle et je vous dis de réduire souvent les prises de risque et la violence ou les agressivités. Donc oui, j'ai des pénis, j'ai tout, hein. Moi je suis équipé. Bon. Alors après. Les produits, oui, c'est vrai qu'il y a des produits qui ont une incidence positive ou négative sur la sexualité. On pourrait parler, si vous voulez, du poppers, pour ceux qui connaissent ou que ça intéresse, ou le shit. Est-ce que le shit, ça aide ou pas à draguer ou à faire l'amour? Ou l'alcool, évidemment. Chaque produit a une incidence sur la sexualité. Ça peut, dans certains cas, aider ou inhiber. Un des problèmes, souvent, c'est les traitements antidépresseurs aussi. On ne le dit pas assez. Il y a les traitements antidépresseurs qui font baisser la libido et qui même font disparaître les sécrétions vaginales chez les femmes. Et actuellement, en banlieue parisienne, une fois sur deux, lors des rapports sexuels pénétratifs, il y a absence ou insuffisance de sécrétions sexuelles. Bonjour les dégâts. Hein. Des réactions ? Des questions ? Bon, on pourrait parler des différentes infections sexuellement transmissibles, il n'y a pas que le VIH, il y a la syphilis, il y a les blinorragies, et ça repart actuellement beaucoup, mais il y en a tellement que ça pourrait prendre beaucoup de temps, et pour ça j'ai plutôt laissé un petit livret dans lequel vous trouverez chaque infection sexuellement transmissible, comment on la reconnaît, quels sont les symptômes, et comment ça se transmet. Ça c'est la réponse au chlamydié, à la blinorragie, à l'herpès, parce que l'herpès aussi ça se transmet sexuellement, hein. Et c'est bon de le savoir. Donc la connaissance du corps c'est important, la connaissance des préservatifs c'est important. Les tailles, c'est important. Moi, j'ai la capote à tout le monde. Hein. J'ai la capote à Barack Obama, si vous voulez la voir. Il est à Paris, non ? Où il va venir ? Il est là, déjà, ou pas, Barack Obama ? Voilà. Oui, Barack Obama. Ah oui, bah, par rapport aux stéréotypes du fait que tous les Noirs ont des gros sexes, eh ben non, la preuve. Moi, j'ai celle à Macron, si vous préférez. Donc voilà Barack Obama, voilà Macron. Si ton sexe est entre les deux, c'est que t'es normal. C'est rassurant, hein. Et puis il y a le préservatif féminin qu'on a entrevu tout à l'heure, qui peut être utilisé, on dit plus préservatif féminin, on dit préservatif interne, excusez-moi. Ça peut aussi être mis dans les fesses, non, il faut... Mais dans ces cas-là, on retire le petit anneau au fond parce qu'il n'est pas utile. Donc après, il y a des préservatifs à la banane, à la fraise, au chocolat ou au shit, hein. Et ça, les gens, ils savent pas, hein. Oh shit, j'en ai là. Ça, c'est des préservatifs au shit. À l'herbe, si vous préférez. C'est l'odeur, hein. C'est une odeur. C'est comme il y a l'odeur de banane ou de fraise. Là, c'est une odeur d'herbe. Non, mais il y en a que ça les aide, hein. Ça les fait bander. Ils trouvent ça plus sympa qu'une capote qui pue du latex. Donc, il y a les parfums. Et il y a maintenant les lubrifiants. Très important, les lubrifiants. J'ai l'impression d'être un représentant de commerce par moment. Pourquoi très important ? Je vous rappelle qu'une femme, c'est comme un four. Il y a un préchauffage. Non, mais c'est vrai. Tu ne fais pas de la cuisine. Donc, la majorité des femmes ne peuvent pas avoir d'orgasme si elles n'ont pas eu un minimum de 40 à 45 minutes d'excitation sexuelle. Je généralise, mais ce n'est pas complètement faux. La majorité des femmes ne peuvent pas jouir si elles n'ont pas eu un minimum de 40 à 45 minutes d'excitation sexuelle. Alors que les mecs, eux, ils bandent tout de suite, ils éjaculent trop vite, et souvent, la madame, elle n'a pas eu le temps de monter au septième ciel. Elle est gentille, elle a fait semblant. Ah, ah, ah,
juste pour lui faire plaisir ou parce qu'elle voulait que ça s'arrête. Mais c'est le quotidien de plein de femmes, ça. Hein. Excusez-moi, moi j'étais femme dans une autre vie, donc je sais. On est entre femmes, on se comprend. Donc, cette idée de préchauffage qu'on appelait les préliminaires, d'abord, on n'aime pas le mot préliminaire, parce que ça peut durer 2 heures, les préliminaires, ça peut faire jouir, sans qu'il y ait pénétration. Non. Donc c'est pas que les préliminaires et les nouveaux lubrifiants facilitent ça puisque vous êtes sur des gels de massage érotique et vous êtes sur des gels qui sont parfumés et qui sont du bonbon. Tu mets ça sur ton sexe, la nana elle va sucer pendant des heures tellement c'est bon. Fraises, bananes, chocolat, etc. Non mais je rigole pas, coco, ananas, pina colada, etc. Vous êtes sur des produits magiques. J'en mets sur ma peau, c'est bon pour la peau, hein, c'est hydratant. Ben bien sûr, c'est un cosmétique. C'est bon pour vous. Ça glisse, évidemment ça glisse. Donc ça peut être mis au niveau vaginal comme au niveau anal. On a vu qu'au niveau vaginal, souvent il y a des problèmes de sécheresse vaginale. Donc ça glisse, c'est un lubrifiant compatible au préservatif, bien sûr. Pareil, ceux qui font l'amour sans préservatif, n'hésitez pas à utiliser le lubrifiant. Le lubrifiant aussi, ça, c'est très utile. Surtout pour les femmes à partir d'un certain âge, parce qu'elles ont de la libido, mais il y a plus de sécheresse vaginale. Il y a une sécheresse vaginale, pardon, il n'y a plus de sécrétion vaginale à bout d'un certain âge. Donc c'est très important qu'elles utilisent beaucoup de lubrifiant. Les IST, c'est souvent parce que ça frotte, qu'il y a des lésions au niveau des muqueuses, et c'est là où les germes, les bactéries et les virus passent 100 fois plus. Donc, ça glisse, évidemment, c'est un lubrifiant, et en plus, c'est délicieux. Délicieux. Coco ananas, tu veux goûter? Allez. Qu'est-ce qui veut goûter coco ananas? Ah, monsieur, là. Tiens, tu vas goûter coco ananas. T'as pas le choix. Donne-moi ta main. Vas-y, lèche, s'il te plaît. Si, je te jure, fais-moi confiance. Allez. Lèche, c'est du bonbon. Est-ce que c'est bon ou pas? Tu sens pas pour pina colada? Il y a des modèles sans sucre pour les diabétiques. Hein, non, ils ont pensé à tout, je vous jure. Vous êtes sur des produits comme ça. T'essayes ça avec ta copine, elle va dire, mais c'est génial, on recommence. Puis demain, tu veux, on peut essayer la fraise. Il y en a au champagne pour les fêtes et tout ça. Il y a tous les parfums que tu veux. Oui, des lubrifiants au champagne. Bon, bah, non, mais après, est-ce que t'aimes les fraises Tagada? Bon, bah, y a des lubrifiants, la fraise Tagada, même contenu. Ou les bonbons bananes. Tu connais les bonbons bananes? T'aimes ou pas? T'as du lubrifiant avec la même chose que le bonbon banane. Et je vous dis, ils sont alimentaires. Donc c'est caresse, lécher. Et là, le plaisir, il va monter. Et donc ces préliminaires-là, les nouveaux lubrifiants les permettent. Donc ceux qui pensent que le lubrifiant, c'est un truc chiant à rajouter qui n'est pas terrible, au contraire, ça peut aider un couple à avoir beaucoup plus de plaisir. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir ces lubrifiants. Et le tout, c'est de savoir à quoi ils servent et comment on peut les utiliser. Donc, il y a des produits parfumés, que ce soit au niveau des préservatifs, que ce soit au niveau des lubrifiants. Tiens, bah, je vous parle du lubrifiant, il y a même du lubrifiant au cannabis. Hein. C'est vendu, c'est librement. Hein. C'est l'odeur. Ce n'est que l'odeur, mais ça suffit pour certains à les exciter, à les faire bander. Ça s'achète au Roi de la Capote à Paris. Ils vendent tous ces modèles-là sur Internet et c'est tout à fait légal. Donc, chacun peut trouver... Que ce soit dans le préservatif en fonction des tailles ou des modèles avec striés ou pas, relief ou pas, ou des lubes. Il y a vraiment de quoi se protéger, avoir plus de plaisir en fait, plus de plaisir sans aucun danger. Et ça, les gens souvent, ils ne sont pas trop informés, ils gardent une image négative du préservatif ou du lubrifiant parce qu'on leur a donné une capote qui pue ou une espèce de gel lubrifiant dégueulasse à utiliser. Et bien non, aujourd'hui, il y a des nouveaux outils. Et c'est une façon de réduire aussi la prise de risque. Alors, par rapport au sida, qu'est-ce qu'on a comme situation? On a de la sérophobie. Vous savez ce que c'est que la sérophobie? Comme il peut y avoir le racisme, le sexisme, il peut y avoir la peur des personnes séropositives qui fait qu'elles sont rejetées dans certains milieux. Et c'est l'information qui permet d'aborder ça. Plus les gens sont informés, moins ils ont peur. On a vu qu'il y a plein de gens qui avaient peur d'embrasser quelqu'un de séropositif, etc. Donc ils se cachent, ils n'en parlent pas. Et il y a l'homophobie aussi qui reste un sujet d'actualité. Mais là, l'homophobie, on a un médicament. Vous connaissez peut-être des homophobes? Et bien on a un traitement pour les guérir. Regardez. Alors, je vais avancer un petit peu. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui sont homophobes. Et la solution, elle est là. Voilà. Je vais remettre du son quand même. Il est où mon son à moi là-dedans?
traiter l'homophobie, c'est aussi faire reculer le sida, parce que très souvent, la prise de risque est liée justement au fait que les gens sont obligés de se cacher ou ont du mal à assumer leur pulsion. Alors il est là le produit, hein, si vous connaissez des homophobes. Parce qu'à une époque, il y a des gens, vos parents, peut-être vos grands-parents, ils croyaient que l'homosexualité, c'était une maladie. On s'est vite rendu compte que c'était pas une maladie, qu'il y a des gens qui naissaient noirs, des gens qui naissaient blancs, des gens qui naissaient garçons ou filles, et que les gens qui étaient homosexuels, ce dont on était sûr, en tout cas, c'est que c'était pas un choix de leur part. Par contre, les gens malades, on s'est rendu compte que c'était les homophobes, c'est eux qui ont un problème, en fait. Donc c'est eux qu'il faut soigner. C'est l'humour, hein. Vous avez compris. Non, mais quand même, faut que je le dise, parce que ça pourrait être au premier degré. Alors, avez-vous des questions sur les IST? Moi, je veux bien vous montrer des photos de chlamydia, hein, d'herpès génital, de syphilis. J'ai tout ça, hein. Mais bon, c'est pas forcément le plus utile. De toute façon, les symptômes, c'est toujours pareil, hein, quelqu'un qui a mal au ventre après un rapport sexuel, même si ça peut être psychologique, hein. Douleur au ventre après un rapport sexuel, douleur en urinant ou poussée de fièvre, c'est ces symptômes qui font qu'on consulte. À Paris, il y a la chance d'avoir plein d'endroits anonymes et gratuits. C'est souvent la prise de sang qui permet de savoir si c'est une maladie sexuellement transmissible, parce que les symptômes ne suffisent pas, ou sont trop discrets pour certains. Pour le VIH-SIDA, vous avez compris, il n'y a pas de symptômes externes du tout. Pour la syphilis, c'est souvent un petit chancre sur le pénis, mais assez vite, il va disparaître. Et il n'y a que la prise de sang qui permet de savoir. Bon, la chaude pisse, gonorrhée ou gonocoxie, ça ne passe pas inaperçu, parce que la personne, quand elle urine, ça brûle. Donc ça, elle est obligée de faire quelque chose. Donc chaque IST comme ça a ses symptômes, mais ils ne sont pas typiques et nécessitent évidemment un suivi et de consulter. La prévention, on a vu, c'est des outils divers et variés. Il y a des questions? Oui. Est-ce que c'est nécessaire d'aller... Allô? Oui. Faire régulièrement un dépistage? Oula, allô? Oui. Si on est dans une relation stable, est-ce que c'est nécessaire de faire du dépistage dans la mesure où on en a déjà fait auparavant? Dans le dessin animé, à un moment, on voit le mec qui dit qu'il va tous les ans faire un dépistage. En fait, j'imagine qu'il ne se protège pas tout le temps. Par exemple, pour les fellations. Il y a plein de gens qui mettent des préservatifs pour la pénétration vaginale ou anale, mais pour la fellation, qui estiment que le risque est faible, c'est vrai qu'il est faible, hein, et que donc ce risque-là, ils le prennent. Et ces gens-là viennent régulièrement se faire dépister, parce qu'il y a un petit risque quand même qui subsiste par la fellation, et encore plus pour la syphilis. Oui, et dans certaines communautés où les gens, je parle de certains gays qui couchent beaucoup, on leur recommande de faire un test tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour ceux qui ont de multiples partenaires et qui ne se protègent pas toujours, en tout cas pour la fellation. Oui. Justement, si on est dans une relation monogame et qu'on sait que les deux personnes sont séronégatives, est-ce que c'est nécessaire de quand même tous les ans, même si on reste avec la personne, de continuer à faire des tests? Alors, les gens qui vivent en couple, souvent, à un moment, ils ont envie d'arrêter le préservatif. On leur dit, venez vous faire dépister tous les deux ensemble, même si tu es sûr pour toi, tu vas avec lui ou avec elle, par principe, si tu veux, et on part sur de bonnes bases, parce qu'on a tous les deux des tests négatifs, c'est clair. Simplement, la question, ça va être, tu dis monogame, ça va être la question de la fidélité qui va se poser un jour ou l'autre. Parce que malheureusement, dans les couples, au bout d'un moment, dans beaucoup de couples, après la naissance d'enfants ou avec l'âge qui arrive, il peut y avoir des ruptures dans le contrat, comme on dit. Et dans ce cas-là, la partenaire ne te le dira pas ou le partenaire ne le dira pas. Nous, tous les jours, on a des hommes qui nous disent « J'aime ma femme, j'ai fait ça, mais je ne peux pas lui dire. Si je lui dis, je vais la perdre, or je l'aime. » Tu dis « Tu l'aimes, mais pourquoi tu as été voir ailleurs ?»« Bah ouais, j'étais bourré ou alors j'ai craqué, je regrette. » On a toujours un jardin secret dans le couple, c'est ça le problème. Si ta copine elle s'est fait violer quand elle avait 10 ou 12 ans, peut-être elle ne te le dira jamais. Parce qu'elle a essayé d'oublier, elle en a honte, elle ne devrait pas, mais elle pense que si elle te le dit, tu n'auras plus la toucher. Si toi, tu as eu des expériences homosexuelles quand tu avais 13 ou 14 ans, tu ne vas peut-être pas le dire à ta copine non plus. On a toujours un jardin secret dans le couple. Donc, et puis, il y a ce risque, mais bon, normalement, l'amour, c'est la confiance. Et on devrait pouvoir faire confiance à l'autre. Et dans ces cas-là, si tous les deux sont négatifs et que les gens sont fidèles, pas de problème. Pas de problème. Et c'est même une façon de... Puis il y a des couples qui disent si par hasard, par malheur, t'allais voir ailleurs, je compte sur toi pour te protéger. Bon. Puis il y a des copines où il y a des femmes qui disent à leur mec, si tu fais ça avec quelqu'un d'autre, ne me le dis pas, je ne veux pas le savoir. Il y a des femmes qui préfèrent ne pas savoir, d'autres qui au contraire disent, je veux qu'on se dise tout et tout ça. Donc il n'y a pas de modèle en l'occurrence, hein, mais la fidélité, en théorie, ça protège.
Mais bon, beaucoup de femmes que je vous expliquais qui sont contaminées à Paris, elles étaient fidèles et elles l'ont payé cher parce que, bon... D'autres réactions, d'autres questions? Alors, je vais vous amuser avec deux ou trois images. J'ai énormément d'images, moi, hein, pour tout public. Des choses assez marrantes, assez sympas, surprenantes, étonnantes, que vous connaissez peut-être. Je ne sais pas, vous avez déjà vu un pénis tout seul qui s'ennuyait dans les toilettes? Oui. Non, mais là, par exemple, celui-ci. Alors, c'est très triste au départ, mais bon, c'est bien, ça se termine quand même bien, en fait. J'aime bien les histoires qui se terminent bien. Mais il y a un moment très triste. Plouf. Ça se termine bien. Alors un autre, c'est cette petite fille qui va devenir une femme et on va voir tout ce que les hommes lui font subir. Ah, c'est moins drôle. Hein. Ça commence par du sexisme. Beaucoup de femmes sont victimes au départ de sexisme. Et en voilà la preuve. Elle va grandir, évidemment, tout va s'arranger. Thank you.
Bon, comment je fais pour faire disparaître ça? J'appuie là, c'est ça? Oui? C'est ça, ignorer? Ouais. Bon, l'humour, c'est pas souvent par les stéréotypes, hein. Donc oui, tous les noirs n'ont pas des gros pénis. Mais alors, ce qui est intéressant dans votre cas, parce que visiblement, vous êtes parti pour former des couples avec vos ordinateurs, c'est ça en fait, vous? Non mais votre copine ou votre copain risque d'être sacrément jaloux du temps que vous allez consacrer aux écrans, et ça risque de se faire aux dépens du relationnel. Non, mais c'est un problème dans les gens qui travaillent, qui passent beaucoup beaucoup de temps sur écran, y compris à la maison. Après, la copine elle, ou le copain, il va se sentir, il sera pas à la hauteur, il pourra pas être aussi disponible que votre écran, et vous allez certainement lui consacrer moins de temps. Donc ça peut poser problème quand même. Il y a des moments où il faudra savoir justement le fermer pour, parce que aimer les gens, c'est leur donner du temps. Aimer les gens, ça se prouve, c'est pas par les mots, ça se prouve par les actes, et c'est leur donner du temps. Plus tu donnes du temps, plus ça montre que ça a des sentiments. Donc là, c'était de l'humour et le stéréotype. Il y a la version gay qui est pas mal aussi remarquée. Alors c'est pareil, le jeune homme que vous allez voir, au départ, il joue à la poupée, mais en général, les homosexuels, ils n'ont jamais joué à la poupée, hein, c'est du stéréotype. Hein. Et c'est parce que ton petit garçon jouera à la poupée qu'il va devenir gay, ça fait partie des stéréotypes, mais bon, ça fait sourire. La version gay, je la trouve un petit peu plus réussie encore. Faut pas que je me trompe parce qu'il y a des choses, il y a des versions que je peux pas vous montrer. Non, parce que j'ai des versions soft et des versions hard, ça dépend des publics. Et il ne s'agit pas pour autant de trop vous choquer. Alors, par exemple, GSF, est-ce que c'est le bon ou pas? Oui ou non? Non, c'est pas bon, ça c'est pas bon, excusez-moi, donc c'était pas ça. Alors je vais le trouver ailleurs. On fait de l'éducation sexuelle pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. On a des outils pour toutes les tranches d'âge. Ah, c'est celui-ci alors. Voilà. Ouais, c'est ça.
Donc voilà, des outils qui utilisent l'humour, parce que nous, on pense que la prévention, il faut que ça passe par l'humour. Hein. Bon, même s'il y a des stéréotypes, vous l'avez compris. Ça illustre l'homophobie dans sa version la plus hard, en l'occurrence les agressions physiques. Et donc, on a des outils comme ça, après, absolument pour tout public, pour informer et leur donner envie de se protéger. En fait, c'est quoi la prévention? C'est avoir envie de vivre. Plus tu as envie de vivre et plus tu as envie de vivre vieux, plus tu vas faire attention à toi et faire attention aux autres. Si tu es dans un processus d'autodestruction, si tu penses que demain ça va être pire qu'aujourd'hui, tu n'auras pas envie de te protéger. Et si tu as l'impression que la société elle t'aime pas, tu n'aimeras pas la société et puis tu te vengeras ou tu ne feras pas attention aux autres. Donc donner envie aux gens de vivre, leur donner envie de vivre vieux et les informer par rapport aux risques pour qu'ils puissent, s'ils prennent des risques, le faire en connaissance de cause ou dans une politique de réduction des risques par exemple. Parce qu'on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Hein. Donc on est là pour informer chaque communauté. Là j'ai pris un exemple gay, mais je peux vous montrer un exemple migrant. On rencontre des publics migrants par exemple, et on teste leur connaissance. Est-ce qu'on peut transmettre par la seringue ou pas? Et oui, pourquoi? Là en l'occurrence ils partagent la seringue, oui. Est-ce que la scarification dans certaines cultures, est-ce que ça peut transmettre? Oui, s'ils partagent en l'occurrence la lame. Est-ce que la maman peut transmettre à son enfant si elle a le sida? Oui, mais non si elle prend les traitements. C'est important à savoir. Est-ce qu'on peut attraper le sida en faisant la cuisine? Non. Ou le tatoueur, bah oui, le tatoueur il peut transmettre, sauf celui-ci par exemple qui prend des gants et qui prend un matériel unique. On a beaucoup d'images, est-ce qu'on peut attraper le sida aux toilettes et tout ça? On essaie de voir si les communautés sont informées, est-ce qu'en toussant, en crachant, on peut transmettre le virus? Ben non. Donc on leur donne un carton vert, un carton rouge, et on essaie de voir si les gens sont informés et on leur donne des informations. Est-ce qu'un animal peut transmettre le sida? Est-ce qu'un moustique homosexuel peut transmettre le sida par exemple? Ben quoi? Il y a des moustiques homosexuels. Mais est-ce qu'un moustique peut transmettre le sida? C'est important de savoir non, mais à la limite, il faut savoir pourquoi non. Parce que si tu ne sais pas expliquer pourquoi, c'est que la moitié de la réponse. Parce que les gens vont dire, mais attendez, le paludisme, ça se transmet par le moustique. Ben oui, le VIH-Sida, ben non. Donc, est-ce qu'on peut attraper chez le coiffeur, chez le dentiste, etc. Les dentistes portent beaucoup d'ailleurs des lunettes, parce qu'on y reviendra. Bien sûr qu'il n'y a pas de risque en serrant la main, en mangeant la même assiette, etc. Donc, chaque pratique, en roulant une pelle, en embrassant, est-ce qu'on peut ou pas transmettre le sida? Il y a des doutes. Là, en l'occurrence, capote et lubrifiant, il n'y a pas de risque. Hein. Là, c'est capote à la banane ou à la fraise. Les prostituées qui font des fellations, en général, elles ne veulent pas tomber malades, elles se protègent et elles mettent des préservatifs parfumés. Le cunnilingus, le sperme. Là, il y a un petit risque s'il y a du sperme dans l'œil, par exemple, parce que l'œil est une parfaite entrée dans la circulation sanguine. Donc, vous verrez, les dentistes, ils mettent des lunettes parce qu'ils savent que s'ils ont du sang, des projections dans l'œil. Donc on a des pratiques protégées avec capote et lubrifiant, y compris homo, hétérosexuel. Beaucoup d'images pour être clair, parce que si on n'est pas clair, ça ne sert à rien. Des objets, des images pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ne savent pas les gens et comment les informer pour qu'ils puissent continuer à avoir du plaisir en restant en bonne santé. Parce que pour avoir du plaisir, il faut rester en bonne santé. Et donc c'est un peu notre boulot quand on fait de la prévention et voilà. Questions ou pas, autrement je vais vous remercier d'avoir été présent. Vous pourrez prendre des brochures et des préservatifs. Alors dans les préservatifs qu'il y a ici, vous verrez, si vous avez des copains qui ont des sexes un peu plus gros que la moyenne, c'est pas grave d'être serré dans un préservatif. Donc ce modèle-là, il est XL. Donc c'est bon de savoir. Hein. Il y a des modèles un peu plus larges en l'occurrence. Et il y a du lubrifiant, des préservatifs. Oui. Ah bah très bien, merci. On va voir une vidéo de sensibilisation. Qu'est-ce qui la présente? Oui. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Léa, je suis en deuxième année à Cibiotech et je fais partie de l'association Alsen, une nouvelle association. C'est une association de théâtre, court-métrage et représentation, improvisation. Et on a fait une vidéo de sensibilisation contre le sida. Donc, je vous laisse la regarder. Oups.
Oui, je disais que les enquêtes ont montré que pour les lycéens, au jour d'aujourd'hui, ils sont moins bien informés aujourd'hui, les lycéens, qu'il y a 5 ou 10 ans. Donc, il y a toujours un travail de prévention à faire. T'as pas cassé mon vagin, j'espère. J'en ai encore besoin, moi. Voilà, tu veux continuer ? Non, pas forcément, mais... Donc, voilà. On l'a aussi fait en collaboration avec des personnes de EPITA. Je sais pas si vous les avez reconnues, mais voilà. Donc, merci. Merci.